Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner. Comprendre ce changement qui peut envoyer le projet Tron à peut-être 100 dollars. Quel est ce changement-là? Que se passe-t-il concrètement avec Tron? Est-ce que Tron va-t-il nous surprendre à tout moment? Les gars, je crois bien que oui. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Parce que l'analyse que je vais faire dans cette vidéo est très importante pour tous ceux qui ont des Tron et ceux qui n'ont pas encore des Tron. Attention. La monnaie TRX, c'est important. Ça semble être un stable coin, mais la surprise qui arrive est grande. Alors, donne le j'aime à la vidéo et partage la vidéo là au maximum dans la communauté crypto-monnaie pour que l'information, les gens puissent avoir cette information sur le projet Tron, sur ce qui se prépare, le grand changement de Tron qui arrive. Alors, donc, comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. On nous dit ceci: nul n'a la maîtrise du marché. Les gars, c'est sérieux et important, cette phrase-là. Nul n'a la maîtrise. Moi-même qui vous parle ici, là, hein, cette tombola, cette analyse, le marché fait ce qu'il veut. Je ne sais pas si tu as compris ça. Hein. Je ne sais pas si tu as réellement compris ça. Si tu n'as pas compris ça, il faut comprendre maintenant. Le marché fait ce qu'il veut, à qui il veut, où il veut, comme il veut. Mais qui sommes-nous pour dire que nous maîtrisons le marché? Si tu écoutes un influenceur qui dit qu'il maîtrise en quelque sorte, hein, l'écosystème, le fonctionnement, là, ça peut être possible. Il maîtrise le fonctionnement. Oui, ça peut être possible. Le fonctionnement, ça dit comment fonctionne la blockchain, comment il peut t'expliquer la blockchain, comment il peut t'expliquer certaines choses autour de l'écosystème. D'accord. Mais quelqu'un qui dit que moi, je maîtrise le marché ne peut pas m'avoir, c'est moi qui ai toujours le marché. Moi-même qui vous parle ici, là, le marché me lime par moment. Oui, moi, je n'ai pas honte de dire ça. Souvent, je prends des positions où je perds. C'est ça. C'est ça le marché. Mais il y a certaines personnes, ils disent non, avec nous, c'est garanti à 100% parce que nous avons des traders professionnels. Les gars, arrêtez d'écouter ces gens de personnes. Arrêtez. Le marché, nul ne maîtrise le marché des crypto-monnaies. Quand je parle du marché, je parle de la spéculation, de l'aspect spéculation. Souvent, aujourd'hui, les traders aujourd'hui ont fini par comprendre une chose. Le news, quand je disais ça depuis 2 ans, les gens ne me comprenaient pas. Les news, les informations sont importantes et capitales dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Une information peut chambouler le marché. Une information peut chambouler toutes tes analyses que tu as faites, ça va devenir zéro. C'est ça. Et c'est cette analyse que nous allons faire sur Tron tout à l'heure. Les gens qui ont prédit la mort de Tron, les gens qui ont prédit que Tron va mourir, les gens qui ont prédit avec cette information et avec cette analyse que nous allons faire tout à l'heure, tu vas peut-être comprendre que les choses peuvent changer, les choses peuvent basculer sur le projet Tron. Alors, avant d'attaquer le projet Tron, parlons rapidement de cette hausse du Bitcoin, rapidement durant ces temps-ci. Le Bitcoin qui était tranquillement dans son coin et aujourd'hui nous sommes en train de la voir qui fait une capitalisation de plus de 3%, hein, plus de 3% et un volume de 35%. Ça veut dire simplement que le Bitcoin veut se récupérer. Le Bitcoin veut se récupérer de qui et pourquoi? Les gars, comprenez une chose encore. La crypto-monnaie, c'est un peu comme, excusez-moi le terme, franchement, c'est un peu comme tombola. Non, désolé, les cryptophiles, disons les choses telles qu'elles sont. Ici, on ne va pas mâcher nos mots. Hein. Les crypto-monnaies, c'est comme OneXBet. OneXBet. Non, sérieux. Tu peux faire toutes tes analyses. Mais la surprise peut t'attendre dans un coin où tu n'espérais pas. Donc, c'est ça. Donc, et au même moment, dans les crypto-monnaies, comme la surprise est tellement agréable et désagréable pour certaines personnes, nous sommes en train de voir qui se rappelle du projet OneCoin. Ou le projet OneCoin. On dit simplement que l'avocat de OneCoin, hein, a reçu des sanctions de 10 ans de prison. Les gars, ce genre d'informations, disons les choses telles qu'elles sont, nous sommes dans un écosystème où nul ne maîtrise, où tout est possible et tout est permis.
Comme tout est permis et tout est possible, alors qu'est-ce que les arnaqueurs font? Ils viennent, ils montrent leur visage, d'accord? Ils nous arnaquent très bien, d'accord? Après, ils ont des sanctions, d'accord? Et sur des sanctions, ils ont toujours l'argent des clients. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le schéma que je suis en train de tracer pour vous. J'arrive tout à l'heure chez toi. Je ne sais pas si tu comprends le schéma que je suis en train de tracer pour toi. C'est-à-dire, l'arnaqueur vient, il nous arnaque, d'accord? Il crée une plateforme d'investissement, il arnaque tout le monde. En utilisant le nom des crypto-monnaies, nous avons vu plein. Nous avons vu P3P, Limpleman et High Life. Non, High Life, non. Atom Bank, tout cela, ils nous ont arnaqué tous. Et maintenant, même si on les arrête, ils ont toujours, je dis, ils ont toujours les crypto-monnaies des clients. Ils vont faire le temps de prison qu'ils doivent faire et quand ils sortent, ils deviennent riches. Qui a perdu, qui a gagné? Pensez-y à ça. Pensez-y, les gars. Pensez-y. Venons maintenant sur le changement. Pourquoi lui comprendre ce qui arrivera ou ce qu'il prévoit arriver avec le projet TRX. Le tronc. Les gars, non, soyez sincères. Tronc aussi là. Tronc aussi fait. Non, tronc aussi, c'est quoi? C'est quoi cette salade là, tronc? Mais tronc, pourquoi tu fais ça? Nous sommes en train de voir une chose que tronc. Hein, est un stable coin, voilà. Non, les gars, Tron a été créé depuis, je crois bien, depuis 2018, d'accord? Elle est montée à son ATH à combien? À 2 centaves, attention, à 20 centaves plutôt, à 20 centaves de dollars, Tron montait à 20 centaves de dollars et aujourd'hui elle est à 1 centave. Donc, Tron, en quelque sorte, depuis sa création, a fait seulement que 5 000%. Mais avec cette information qui circule maintenant, tout porte à croire que les données peuvent changer à tout moment. Les données peuvent changer à tout moment. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons le volume de Tron à 10 milliards, et voilà la capitalisation à 10 milliards et le volume à 200, hein, ce sont 2 millions. Et nous sommes en train de voir que dans l'écosystème de Tron, on a plusieurs choses. On a quoi? On a le mécanisme de burn, tu peux créer des tokens, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, nous savons tout cela. Je crois que tu sais, je sais, nous savons tout cela. Et nous savons que Tron a été adopté comme monnaie légale hein, en Dominique en 2022. D'accord? Hein, c'est pourquoi vous voyez Tron ici. Tron est l'une des crypto-monnaies. Attention, peut-être que les gens ont oublié certains choses, mais je vais faire certains petits rappels pour toi. Nous savons très bien que le fondateur de Tron, qui est Just, aujourd'hui est un diplomate en République dominicaine, d'accord? Et comme il est en quelque sorte ça, alors dans un pays, il a fait adopter le TRX comme monnaie entre aspects légal de ce territoire, d'accord? Comme l'a fait le Salvador avec le Bitcoin. Ok, ça c'était le 7, comme on dit, le 7 octobre 2022. Et Tron, comme nous sommes en train de le voir encore, a un total supply de combien? De 80, oui, 88 milliards de troncs. Et ces 88 milliards de troncs sont tous déjà en circulation. Et encore une chose que tu dois savoir sur le projet Tron. Le projet Tron actuellement a un mécanisme de burn. Le projet Tron a un mécanisme de burn. Je ne sais pas où j'ai laissé l'adresse de burn de Tron. Après, je vais le chercher, je vais trouver ça pour vous. Et au même moment, le projet Tron, le fondateur de Tron nous annonce cette information. Attention, regardez très bien. Cette information, on nous dit le launch pool avec le TRX. Nous savons que le fondateur de Tron, c'est à lui appartient l'échangeur HTX. Ou bien aujourd'hui, il est l'un des grands responsables. C'est pourquoi nous allons donner voilà, le crédit en ce sens-là à cet échangeur. Regardez très bien. Si tu n'as pas encore ton compte sur cet échangeur, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. C'est pourquoi en deuxième, oui, je peux dire en premier, oui, en premier, je parle, le premier lien en dessous de cette vidéo, c'est le lien de l'échangeur HTX, qui est l'ancien Hobby Global. Et déjà, il y a une case, je sais pas, tu peux réclamer une, je sais pas moi, une, on dit cache mystérieuse, une boîte mystérieuse.
d'accord, en utilisant le lien de cliquer pour gagner. Les gars, c'est mieux d'utiliser le lien de cliquer pour gagner pour créer vos comptes en étant sûr que d'aller sur Play Store ou aller taper acheter X directement sur Google, vous risquez de tomber sur les fausses, hein, les faux liens de phishing qui vont un jour perdre ou vous allez perdre votre argent. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore un compte sur l'échangeur HTX, c'est le moment d'avoir un compte là-bas en cliquant sur le premier lien de la vidéo. Vous allez mettre, quand tu vas cliquer, tu vas tomber sur cette page directement. Tu mets ton email, ton mot de passe d'abord et après tu envoies un code. Tu as pu envoyer l'email que tu as mis ici, ils vont t'envoyer un code de 6 chiffres. Après, tu vas avoir dans ta boîte mail et tu fais quoi? Tu mets ce code-là et tu fais réclamer. Quand tu vas faire réclamer, automatiquement, tu vas créer ton compte. En quelque sorte, tu vas créer ton compte et là maintenant, le site même te propose de télécharger l'application depuis le site. Donc, vous voyez comment c'est simple comme bonjour. C'est simple. Ou bien, si tu veux t'enregistrer avec ton numéro de téléphone, tu choisis le DDD de ton pays. Attends, je vais voir le Burkina. Burkina, le Burkina Faso est présent. Je vais voir la CI, la Côte d'Ivoire, Costa. La Côte d'Ivoire n'est pas présente, hein. C'est bizarre, c'est pas moi. On a écrit en portugais, Costa de ma fille, non, ta. Et le Bénin, je crois bien, le Bénin est là. Donc, vous voyez, donc, tu peux t'enregistrer avec ton numéro de téléphone, tu mets le DDD, le numéro de téléphone, après d'avoir choisi le numéro de téléphone, tu fais quoi? Souvent c'est la Chine. Tu crées ton mot de passe de l'échangeur et ça va t'envoyer un SMS et tu vas réclamer ici et dire ton compte est créé. Et après avoir créé ton compte maintenant, on va parler maintenant de la chose la plus importante que tu dois savoir en ce moment. On nous parle de ceci. Tron. Tron veut faire comme Binance. Attention. C'est pourquoi il dit Tron peut arriver. Tron peut-il arriver à 100$? Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous savons que l'échangeur HTX a sa propre monnaie. Mais face à cela, le fondateur de Tron a décidé de donner une valeur exacte à Tron. En faisant quoi? En faisant comme Binance. En bloquant tes BNB, d'accord? Tu peux bloquer tes BNB pour avoir simplement et purement une monnaie qui va être lancée qu'on appelle le ANU. D'accord, qui sera lancé dans 9 jours. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Le ANU, pour avoir le ANU, c'est simple. Après avoir créé ton compte sur HTX avec le lien de cliquer pour gagner que je t'ai monté, qui est en description, en premier lien en description de la vidéo, tu vas venir maintenant faire le dépôt de tes troncs. Tu vas faire le dépôt de tes troncs ici. Quand tu vas déposer tes troncs, déjà, vous voyez combien de personnes. Et là, tu auras la chance de gagner les ANU gratuitement, d'accord? Gratuitement. Donc, les gars, vous voyez un peu, et il nous explique un peu le projet ANU, etc. Vous voyez donc un peu ça, c'est un peu ça. Après, c'est pourquoi souvent, il y a la possibilité de gagner une crypto-monnaie gratuitement. Et Binance le fait avec ses launch pools, et maintenant, HTX aussi veut le faire pareil. Les gars, je dis c'est important. Et sachez, soyez méthodiques. Tron peut nous surprendre à tout moment. Regardez depuis la création de Tron. Elle a monté en flèche, elle est descendue. Elle a monté ici, elle est redescendue. Et elle est en train de prendre lentement son élan. Donc, les gars, imaginez-vous les projets. Et nous connaissons Just, le fondateur de Tron. Lui, actuellement, c'est quelqu'un. En tout cas, moi, je dis, c'est quelqu'un. Il est touchable, mais entre as intouchable. Ça lui aussi appartient à l'échangeur Poloniex. Mais il fait la promotion plus de HTX. HTX. Et vous allez voir, HTX, bien que HTX se fait hacker, bien que HTX se fait pirater à tout moment, ils sont toujours là. Regardez le test qu'il a mis en chinois ici. Il dit à la communauté, donc HTX, etc. Les gars, le gars est en train de faire plus la promotion de son échangeur. Et pour donner la valorisation à son échangeur, il va utiliser tout son poids, surtout le poids qu'il a, bien qu'il n'est plus le CEO de Tron, d'accord? Il n'est plus le CEO de Tron. Tron a déjà un nouveau CEO, un conseil d'administration, etc. Il reste toujours la personne la plus recommandée au niveau de Tron. Et au même moment, HTX, l'échangeur HTX, où tu viens de créer ton compte, elle a aussi une monnaie. Elle a aussi sa propre monnaie, d'accord? HT, je crois bien,
Voilà, acheter, voilà, acheter cette monnaie-là. Même il y a aussi une contradiction. Parce que acheter, quand tu as acheté, tu as les avantages exclusifs sur HTX, c'est-à-dire que sur HTX qui est l'ancien Huobi Global. Donc, nous sommes, je suis en train de voir, faire des analyses, voir franchement, et bon, qu'est-ce qui pourrait arriver si tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, mon frère, ma soeur, viens nous rejoindre en cliquant sur le deuxième lien en description de la vidéo. Tu vas tomber sur cette page, après avoir créé ton compte, tu vas tomber sur cette page. Tu vois, il y a 2093 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire pour se former avec nous, afin d'avoir les bonnes informations, les bonnes analyses. Et au même moment, nous faisons des chat votes pour parler de la situation du marché chaque semaine. Donc, aujourd'hui, c'est la messe qui serait dite, comme vous le savez très bien. Nous allons parler de beaucoup de choses, de ce qui est arrivé dans l'écosystème de la crypto-monnaie au cours de ces semaines, à quoi s'attendre, voilà, des suppositions, des analyses, se préparer au pire et espérer le meilleur. Toi, est-ce que tu fais partie de ce genre de groupe? Parce que l'analyse va continuer tout de suite dans le groupe VIP pour ceux qui sont VIP. Viens nous rejoindre le plus vite que possible dans le groupe VIP pour avoir ce genre de privilèges. Si tu as un problème, n'importe l'heure, je serai toujours disponible. L'équipe de Clique serait toujours disponible pour t'aider à résoudre ce problème-là en crypto-monnaie si tu as un problème. Donc, vous voyez comment des fois nous donnons plus l'avantage. Et attention, attention et attention, c'est pour ceux qui veulent réussir. Si tu ne veux pas réussir, ne clique pas sur le deuxième lien pour remplir le formulaire. Mais si tu veux réussir en crypto-monnaie, clique sur ça. On se dit à tout à l'heure de l'autre côté.